tika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bomo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo de notre enseignement of our teaching qui concerne les caractéristiques de derniers jours that concern the characteristics of the last days en d'autres termes les signes des derniers jours in other theme is the signs of the last days bien aimé nous sommes aux derniers jours my beloved we've reached the last days puisque les caractéristiques et les signes que nous voyons because the characteristics and the signs that we see ça nous montre directement que le temps est arrivé. It shows to us that the time has arrived. Nous avons parlé la fois dernière we spoke the last time et en citant les caractéristiques entre autres listing the characteristics l'égoïsme selfishness les gens sont devenus très égoïstes entre eux people have become very selfish Donc, nous avons vu aussi comment les gens sont devenus amis de l'argent. We've also seen how people love money. Ils aiment l'argent plus que les hommes. How they love money more than one another. Ils aiment l'argent plus que tout. How they love money more than everything. Ils s'entretuent à cause de l'argent. They kill each other for money. Les gens sont devenus orgueilleux. People have become arrogant. L'olendo. Arrogant. Bien aimé, les gens entre eux. People amongst themselves. L'autre se montre qu'il a beaucoup d'argent. One shows that they have a lot of money. Par rapport aux autres. Compared to the other. Il commence à se donner des qualifications. They give themselves qualifications. Il devient orgueilleux. They become arrogant. Chaque fois, savoir bien que l'orgueil amène à la chute. Without knowing that arrogance leads to failure. Quand la chute veut arriver dans l'homme. When failure comes to men. L'homme devient très orgueilleux, très orgueilleuse pour une femme. The man becomes very arrogant. Blasphémateur. Blasphemy. Les gens commencent à blasphémer Dieu ou bien blasphémer les autres. Those people who causes blasphemy. Et surtout, je parle de blasphémateur. C'est là que ceux qui sont en train de blasphémer Dieu. Especially those ones towards God. Bachon in Zambi. Those people who sin towards God. Les enfants sont devenus rebelles à leurs enfants, à leurs parents. Children have become rebellious towards their parents. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de malchance et de malédiction dans les familles. That's why there's a lot of curse in the families. Les signes des derniers jours. The signs of the last days. Les gens sont devenus ingrats. People have become very ungrateful. L'ingratitude. Ungrateful. Quand ils pleurent. Ungratefulness parmi les gens amongst people les gens sont devenus calomniateurs people have become Coco, c'est là-bas, have become liars amen, amen amen ils sont en train de mentir sans fin they lie without break les gens sont devenus cruels they become cruel Mobulu. They become Bitumba. Very stubborn. C'est ça que nous voyons maintenant. C'est ça que nous sommes en train de voir maintenant presque partout. This is what we see now all over the world. Il y a la guerre presque partout. There's war like everywhere. Mobulu entre les enfants. There's trouble amongst children. Et surtout ici en Europe. Especially here in Europe. Les enfants s'entretuent. Children kill each other. Pour un plus rien. For nothing. Ils se guerrent entre eux. They kill each other. Bien aimé, nous voulons continuer avec les restes. My beloved, we want to carry on the rest. Ennemi des gens de bien. Enemy of good people. Batubapo inaka makambo malam. People who hate good things. Nous sommes à la troisième partie. We've reached the third part. Nous commençons avec les 14e caractéristiques, les 14e signes. We are the 14 characteristics. Les gens sont devenus ennemis de bien. People have become enemy of good. Et surtout ennemis de la parole de Dieu. Especially the enemy of
the word of God. Bien aimé, nous pouvons lire un verset. My beloved, we're going to read a verse. Matthieu 24, verset 7 à 10. Matthieu 24, 7 à 10. Il nous dit ceci. Une nation se levera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Bien aimé, ça, nous sommes au verset 7. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Les signes de temps, les signes des derniers temps. Nous voyons des nations qui sont en train de se lever contre une autre. Les pays voisins qui s'entretuent entre eux. Les voisins qui sont ennemis entre eux. Les enfants du voisin ne parlent plus, ne parlent pas avec l'autre. Les voisins ne se disent pas bonjour. Le président d'un pays voisin n'a pas d'amitié avec l'autre. Une nation contre une nation. Ce sont des signes des derniers temps. Des tremblements de terre. Des tremblements de terre, nous le voyons presque partout dans le monde entier. Amen. 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 Oui. Amen. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons cité, ce sont des commencements de douleurs qui vont arriver plus tard, les signes de temps et des derniers temps. Alors, verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens qui parlent du bien de Dieu, ce sont les gens qui sont haïs. My beloved, today the people who talk good of God are those people who are hated. Ennemis de gens de bien. Enemy of good. Ce sont les gens qui ne veulent pas qu'on puisse leur parler de la parole de Dieu. That's those people who don't want to be spoken about the word of God. Qu'on puisse leur dire de bien de Dieu. They don't want to hear the good of God. Quelqu'un peut te faire mourir. Someone can make you. Il peut signer ta mort. They can sign your death. Puisque tu es bien. Because you're good. Tu vis bien. You live good. Puisque tu demandes que le Seigneur m'a béni. Because God has blessed you. Tu parles de bénédiction, de témoignage, de bien faire que Dieu a fait dans ta vie. You talk about the blessings and the goodness that God has done in your life. On peut même te donner des poisons. They can poison you. Comme nous le voyons en Afrique et partout. As you see in Africa and everywhere. À cause de cela qui ont réussi avec l'évangile. Because of those who have succeeded with the evangel. Qui ont eu des succès dans l'évangile. Who's had success. Les gens que Dieu a bénis dans l'évangile. The people that God has blessed. Qui sont devenus de grands messieurs. They have become big people. On peut les empoisonner aujourd'hui puisque on ne veut pas voir quelqu'un être mieux plus que l'autre. They can be poisoned today because they don't want to see them be better than them. Les signes, les caractéristiques des derniers jours. Signs of the characteristics of the last days. Les gens commencent à s'haïr eux-mêmes. People start to hate each other. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. You will be hated by all nations in earth. À cause du nom de Christ, nous serons haïs. Verset 10. Alors plusieurs s'y succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen, amen. Amen. 15e caractéristique. Les gens sont devenus traîtres. People have become traitors. Bakote kabando. They will sell their own siblings. Les gens sont devenus des traîtres. People have become traitors. Les signes de derniers temps. The signs of the last days. Nous voyons bien aimé nous parmi nous. You see, my beloved, amongst us. Vous êtes engagé quelque part. You are employed somewhere. Votre frère. Your brother. Votre sœur. Qui vient de la même province ou bien du même pays avec toi. Comes from the same country or same city as you. Est devenu traître. Has become the traitor. C'est quelqu'un qui est entré
de malade. Pour rien. For nothing. Puisqu'il a besoin de ta place. Because he wants your place. Mais quand il te voit. But when they see you. Yozani de Bunaga. Oh, you are my. Yozani de Bunaga, mes amis, oh, you are my sister. Et là, il a quitté Congo. Oh, I didn't know that you were also from Congo. Mais c'est celui-là qui est prêt à être numéro un. But that's the person that is number one. Qui est en train de t'acquitter chez le malade pour qu'on puisse, pour qu'on puisse te chasser de la place où il est. Talking bad about you, the manager is the one that your position. Je m'explique. I shall explain myself. Ici, Kanayo. They want to take your place. Tellement que c'est très complexe au milieu. So because they are the traits are showing you teeth. Quand il y a beaucoup de gens qui ont joué dans la course pour rien pour la clé, balondre la place où on est assis. That same person will also go ahead and accuse you to the managers for them to remove you. Un autre exemple. The same friend that you have helped you to work. That person that will become your enemy for you to be removed from that place so that they can take that job. Amen. Les gens sont devenus des traîtres. People have become traitors. You have a husband at home. Children with them in your house. He's the one who's talking bad about you to his friends. À la maison, il est en train de te montrer qu'il t'aime, mais d'une façon. At home, he's de tourner. He actually likes you, but he's so fake. Et avec numéro un, et ennemi numéro un, Yakoufou, d'après vous, ça va m'accompagner la bannie dans la yo. But he's your number one enemy, talking about you and saying bad things about you to his friends. Mais quand il te voit. Ou bien quand vous êtes ensemble, together, il te montre les dents. Shows you, les signes de dernier temps. Amen. Bah, traître, bah, il y a des enfants de Dieu. There's even traitors around us, children of God. Nous nous aimons jamais. We don't like each other. Tu peux être aujourd'hui dans cette église. You can be in this church. Demain, tu sors pour tes fausses raisons. So tomorrow you leave for your false reasons. Là où tu disais du bien. When you were saying good. Demain tu commences à chanter de n'importe quoi. Tomorrow you start to lie. Bah, traître. Traitors. Les signes de dernier temps. Amen. Signs of the last days. Vous voyez des gens impulsifs, famille, bah, pour se dire qu'à Kanoki. People who get angry really quick. Amen, amen. Amen. Au moins, mon présent, c'est que pour rien. You see someone get angry for nothing. De se quereller avec quelqu'un pour de fausses raisons. They will basically fall out, have an argument with someone for false reasons. Il a échoué dans sa mission. He has failed in his mission. Peut-être qu'il est venu la nuit. Maybe he came night time. Pour te faire du mal. To do you wrong. Ou bien il est sorcier. Or he's a devil. Il est venu te tenter la nuit. He came to tempt you night time. Il t'a raté ou bien il t'a raté. He missed you. Et demain, il devient ton ennemi pour rien. And then the next day, he becomes your enemy. Il ne veut plus parler de toi. He no longer wants to speak about you. Il ne veut pas qu'on puisse parler de bien de toi. He no longer wants to hear the good about you. Il ne veut pas que quelqu'un puisse témoigner de bien de toi. He doesn't want anybody to testify of goodness about you. Puisqu'il sait qu'il avait tenté la nuit, il n'a pas reçu. Because he knows that he came for you that time, but les signes des derniers temps. The signs of the last day. Les gens ne s'aiment plus. People don't love each other no more. Les gens ne s'aiment plus. People don't love each other no more. L'amour n'a pas pris sa place. The love didn't take its place. Les gens n'ont plus d'amour. The people have no longer have any. L'amour du prochain n'existe plus. The love of one another no longer exists. Les signes de dernier temps. The signs of the last days. Les gens sont enflés d'orgueil. Nous avons déjà dit l'orgueil confirme papa, papa, madame Fondo. Amen, amen. Amen. Nous parlons aussi de l'autre caractéristique bien aimée. We're also talking about our characteristics, my beloved. Vous voyez que les gens aiment le plaisir.
pleasure more than God. People will hold on to the joy of the world. Chapitre 5, versets 1 à 6. 1 Thessalonians 5:1-6. Il nous dit ceci, nous lisons la parole de Dieu. Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Bien-aimés, pour la haute Italie, moment haute tout en haut. Vous avez besoin de te battre et crier derrière moi. My beloved, for what is regarding the times that you have now, you don't need it to be described. Même ce que sommes en train de vivre, bien aimé, il n'y a pas besoin qu'on puisse vous faire un dessin. Even what we are living at the moment, there's no need for us to draw it for you. On n'a pas besoin qu'on puisse te faire une description quelconque de ce mot, de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. You don't need someone to give you a description of what we are living at the moment. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Because you know yourself that there will come a day that the Lord will come. Vous savez très bien que les jours du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. Because you know yourself the day that the Lord will come as a thief in the night. Bien aimé, vous connaissez un exemple de la poya après le colombo yibi. My beloved, the day God will come as a thief. C'est comme l'enlèvement de l'église. It's like the movement of the church. Dieu va venir en improviste. God will come. En improviste sans aviser. Without warning. Il viendra comme un voleur dans la nuit, bien-aimé. He will come like a thief in the night. Laisse-moi dire quelque chose. Elle est employée à propos du retour de Christ pour le jugement au jour du Seigneur, à la fin de la tribulation de ce temps. Alors, l'événement distinct de l'enlèvement de l'Église, elle sert aussi de comparaison pour le jugement qui termine la période du millénium. Dans ces deux places, dans cette phrase finale, les jours du Seigneur viendra sans crier, car tel un voleur. Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur viendra parmi nous comme un voleur sans quoi aviser. My beloved, the Lord will come among us like a thief without warning. L'état que nous sommes en train de vivre, the times that you are living, beaucoup de gens seront surpris. A lot of people will be surprised. Puis c'est le moment où les gens puissent s'engager très très bien. This is the moment for people to engage themselves well. Pour l'œuvre de Dieu. For the work of God. Mais les gens sont en train de jouer avec leur vie. But people, my beloved, are playing with their lives. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen, amen. Amen. Au moment où vous êtes en train de jouer, bien-aimé, at the moment where you are playing, my beloved, pour que les gens ne puissent pas voir l'état que nous sommes en train de vivre, because for the times that we're living in, ils vont vivre les douleurs d'enfantement. They will live in pain of birth. Bien-aimé, my beloved, quand la femme est prête à coucher, when the woman is ready to give birth, de deux derniers jours, the last 2 days, avant qu'elle puisse avoir l'enfant, before they have the child, vous savez comment les douleurs, you know how the pain is, deviennent trop insupportables dans la vie d'une dame ou bien d'une femme.
becomes great and unbearable avant qu'il puisse avoir son enfant. Before they have the child. Avant qu'il puisse avoir son enfant. Before they have the child. Alors les caractéristiques des derniers jours. So the characteristics of the last days. Beaucoup seront surpris. And no one will be surprised. Bien aimé à l'avènement du Christ. At the car Christ viendra enlever son église. When Christ will come to remove his church. Il va trouver les autres toujours dans les plaisirs du monde. He will find plenty still in the present pleasure of the world. Les autres risqueront toujours d'être toujours orgueilleux et arrogants. Others will risk to remain arrogant. Les autres seront surpris bien aimés. Others will be surprised, my beloved. Après toujours des calomniers. Remaining liars. Les traîtres n'entreront pas. The traitors will not enter. Ils manqueront le ciel. They will miss heaven. Bien les gens pouvaient se dire aujourd'hui comme Matthieu 7 nous dit. People can tell themselves today as Matthew 7 tells us. C'est pas toujours cela qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. It's not always anyone who says Lord, Lord that will enter my kingdom. Mais c'est cela qui fera la volonté de mon Père. But then what will do the will of my Father. Nous sommes en train de vivre le dernier jour. We are living the last days. Les jours très difficiles. The difficult days. L'apostasie est en train d'enfronter les gens. L'apostasie. Ça veut dire la période où les gens n'aiment plus la parole de Dieu. This is the period that lots of people do not like the word of God. Ils ont la démangeaison pour écouter la parole de Dieu. They have hesitations to listen to the word of God. Les morts des gens deviendront malades même pour écouter la parole de Dieu. The word. C'est le moment où on est en train de traverser. This is the moment that we are going. Quand vous parlez de mode, when you talk about fashion, vous parlez de musique du monde, when you're talking about the music of the world, vous parlez de bêtises, you talk about rubbish, vous êtes en train de mentir les gens, you are lying to people, vous trouverez plein de gens, you find a lot of people, en train d'écouter les sottises, listening to anything, en train d'écouter les bêtises, listening to rubbish, bien aimé. Vous allez trouver beaucoup en train de suivre les gens qui sont en train de mentir following liars, plus que la parole de Dieu. More than the word of God. Même les deuils. Even in funerals. C'est pas là où tout va voir les gens en train de se semblant d'écouter les pasteurs. It's where you find people pretending to listen to the pastor. Mais après l'enterrement. But after the funeral, after the burial. De leurs chers frères, de leurs leurs sœurs. Dear brother or sister. Fini, ils ont oublié. They finished, et la vie commence à devenir normale comme les autres. And the life carries on being normal as they've always said it. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'autres. A lot of other people. Attendent d'aller au cimetière pour écouter peut-être au moins la prédication, une petite prédication du pasteur. Would go to the burial to even listen to a small word from the pastor. Après cela. After that. Leur vie devient normale. The life becomes normal. Du vol. Les mensonges, la mafia, les publicités, tout ce que vous connaissez. Amen, amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 21 à 22. Matthieu 24, verset 21 à 25. Matthieu 24, nous lisons le verset 21 à 22. Matthieu 24, verset 21 à 23. Il nous dit ceci. Car alors, la détresse sera grande, sera si grande, qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il y en a et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de l'Élie, ces jours seront abrégés. 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Amen, amen. Amen. C'est très important, bien aimé. La détresse va devenir si grande parmi les gens. My beloved, the tribulation will become greater. Les gens vont vivre la colère de Dieu.
the anger of God. Au dernier jour, bien aimé. The last day, my beloved. La Bible nous dit. The Bible says. Que personne ne vienne vous tromper. That no one should lie to you. Amen, amen. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que Christ est ici. That no one should come and tell you that Christ is here. Ou il est là. Or he's there. Ne les croyez pas. Do not believe them. Amen, amen. Amen. Au dernier jour, bien aimé. On the last day, my beloved. La parole nous dit, vous n'aurez plus de Bible. The word of God says you will no longer have Bibles. Amen, amen. Amen. Vous n'aurez vous ne verrez plus de prédicateur. You will not have a preaching. Mais la parole de Dieu vous dit ceci. But the Bible says. Vous verrez des gens viendront vous dire. You will see people coming to tell you. Que Christ est ici. That Christ is here. Ou bien il est là. Or he's there. Mais ne le croyez pas. But do you not believe them? Cela veut dire quoi? That means. C'est ce que nous sommes en train de suivre maintenant. It's what we are following now. Car il y a un seul papa dans ta vie. When there is something that is not working in your life. Les gens viennent te dire ceci. People come and tell you something. Comme tu as tenté. As you tempted. Et que ça ne va pas. And it doesn't work. Il y a quand même un maillot et pas là pour toi là. Come, let me take you to this person. Viens, je vais t'amener à mon Christ. Come, let me take you to my Christ. Viens, je vais t'amener à mon chez mon marabout. Come, I'll take you to my. Viens, je vais t'amener chez mon magicien. Come, I'll take you to my magician. La parole de Dieu nous dit. The word of God says. Que personne ne vienne vous dire qu'il est que Christ est ici. That no one shall come and tell you that Christ is here. Ou bien il est là. Or he's there. Au dernier jour. On the last day. Il ne faut pas croire à ces gens-là. You should not believe to those people. Ce sont des menteurs. They are liars. Amen, amen. Amen. That's what we're saying, as you can see in these days. A lot of people have. But they want to go short away. Yeah, to enter all these magic and all these fetish. Oui, dans les magies, dans les fétiches, dans les choses, quoi, tout ça, là, tout ce que vous connaissez là. Amen. Amen. Yaka awa. Come here. Viens ici. Come here. Mm-hmm. This is where you work. Yaka kule paradiso. Welcome to ours. Kule paradiso na kamboze. That's where you work. Okay. That's where everything's like. E ume na kate. It doesn't last. Makamu ya msale kusua. If you want a job. Yaka kule paradiso. Come to ours. E paradiso na kamboze kusimba. In ours, everything works. Yaka awe paradiso. Come here to ours. Na sisi tu sambe na kaa. When we pray. Ila kaka to. Ils ont dit tu vas dire, au tiers de ta foi, on a vraiment que payé. Amen, amen. Voilà, Dieu m'a traité de te tromper, bah on boule les lots, la babisa, mes amis, la babagie, et bah toi tu ne crois pas, papa, ma fille. These people are light on things and on magic and on fetish and this stuff. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 23, il nous dit ceci, et nous disons encore. Matthew 24:23. Si quelqu'un vous dit alors. If any man shall say unto you, le Christ est ici. He is Christ. Où il est là. Or there. Ne le croyez pas. Amen. Let not. Car il se levera de faux Christ et de faux prophètes. For there shall arise false Christ and false prophets. Ils feront de grands prodiges, de miracles au point de séduire, s'ils étaient possible, même des élus. And they shall shew great signs and wonders in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Jésus au verset 24. I'm in verse 24. De Matthieu 24. Of Matthew 24. Même les élus risquent de tomber. Even the chosen ones may fall. Les signes des derniers temps. The signs of the last days. Les caractéristiques des derniers jours. The characteristics of the last days. Nous lisons 2 Pierre. Second Peter, chapitre 3, chapter 3, verset 10 à 13. Verse 10 to 13. Second Peter, chapitre 3, 3, verset 10 à 13. 10 to 13. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. À ces jours-là, le ciel passeront avec fracas de le violent embrassé. Se dissoudront et la terre avec les œuvres qui les renferment sera consumée. Verset 11.
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Attendez, hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrassés s'effondront. 13. Mais nous attendons cela selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. 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 Bien-aimés, nous parlons de dernier jour. My beloved, we talk about the last days. Bien-aimés, ça va être vraiment des jours très difficiles dans la vie des gens. My beloved, it's going to be very difficult days. Amen. 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 Les jours du Seigneur. The day of the Lord. Est un terme technique pour parler des moments que Dieu va intervenir dans l'histoire humaine. Ces versets bien-aimés sont en train de désigner les jours à venir. This verse, my beloved, is explaining the coming days. Les jours où notre Dieu jugera. The day our God will judge. Le méchant sénateur. The nations of the world. Et il mettra fin au monde dans sa forme actuelle des prophètes de l'Ancien Testament. And he will transfer them from the world in, like the prophets of the Old Testament. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. The day that the Lord shall come like a thief. Ça sera une surprise. It will be a surprise. D'une manière soudaine et inattendue. In a way without warning. Ce qui sera désastreux pour les personnes non préparées. Those who will be distracted for those people who are not ready. Amen, amen. Amen. Les gens seront confondus. People will be confused. Amen, amen. Amen. Bâtiment pour se confondre. People shall be confused. Amen. Confusion pour ta tête là-bas. Confusion shall enter people. Mais ça, de la vie, ça revient à ce qu'il y a de mettre au Québec. But God has told us, my beloved, be careful. For us to not be surprised. We have to pray daily. Et surtout prier sans cesse. Amen. Amen. And surtout pray non-stop. Et surtout vivre la vie, la sainteté. And live in the life of holy. La vie, la sanctification. The life of sanctification. Pour que nous puissions pas être surpris. So that we don't be surprised. Pour que nous puissions être préparés tous les jours. So that we can be prepared every day. Pour recevoir Christ. To receive Christ. Pour l'avènement de Christ. For the coming of Christ. Pour son enlèvement. For the coming of Christ. Amen, amen. Amen. Car nous savons très bien, quand un voleur vient pour te voler, il n'arrive pas. As we all know, when a thief comes to steal, it doesn't warn you. Il vient en surprise. He comes in surprise. Pour te voler. To steal. Mais nous savons très bien que nous ne serons jamais surpris puisque nous sommes préparés. We shall never be surprised because we shall be ready. Vous savez bien aimé. You know my beloved. Si les voleurs signalaient, if the thief warned you, leur arrivée dans nos maisons, their arrival in our households, tout le monde devra être préparé. Everyone will be ready. Pour s'attendre à un combat. Prepare for fight. Amen, amen. Amen. Que nous ne puissions pas être surpris. Let us not be surprised. Pour l'avènement de Christ. For the coming of Christ. Que nous puissions être prêts. Let us be ready. Pour l'avènement de Christ. For the coming of Christ. Et pour l'avènement de son église. Amen. For him coming to his church. Que Dieu bénisse ses Amen. Enfants. May God bless us all. Qu'il puisse encore bénir ce moment. May he also bless this moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yahweh fongola lola basali basanguya. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi. Nangambwa banguna na yo ezo bomana bakake.